Père, je prie que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson. Bonjour monsieur, dis-moi bonjour. Je voulais savoir, vu que qu'elle avait une tenue un peu spéciale. C'est une tenue de quelle religion? Une pierre de Skia. C'est l'orthodoxie du sud, de l'est. D'accord. Et ça consiste en quoi? En quelques mots? Les meilleures lettres de la Didi Simeni Afton. Ανήκει στην Ορθοδοξία γενικά. Τι είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία? Σε Λυγής Ορθοδόξ. Η οποία είναι ιστορικά η Εκκλησία από την εποχή του Χριστού μέχρι σήμερα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Σε l'origine de la période du Christ, de Jésus-Christ, rien n'a changé. D'accord. Dans cette religion. D'accord. Donc, il faut arranger vite, c'est ça? Οπότε με ρωτάει αν πιστεύετε στο Χριστό, οπότε. Comment ça a commencé dans sa vie? Sa foi en Dieu? Sa foi en Dieu? En voyant le comportement et la sainteté de ces personnes, moi j'ai appris comme ça à connaître moi-même, j'ai eu une communication, une communion personnelle avec Jésus. Il a fait des expériences avec Dieu. Il a fait des expériences avec Dieu. Bien sûr. Ouais. Quel genre d'expérience? Est-ce qu'il a eu une expérience, par exemple, qui l'a marqué? C'est surtout mon expérience, c'est surtout dans l'adoration. Et cette joie de vivre, mais cette joie de s'apprécier, j'ai une fois. Et l'expérience donc, dans ma vie personnelle, mais en général dans toute l'Église, dans la communauté. D'accord. Moi, je m'intéresse à la foi des gens, parce que moi-même, j'ai fait une expérience avec Dieu. Les héros ont fait une expérience avec Dieu. Les héros ont fait une expérience avec Dieu. Qui a transformé ma vie, c'était il y a 15 ans. Pour moi, c'était lui aussi, j'ai eu une expérience avec Dieu. Quand je demandais à Jésus de venir habiter en moi, et que je demandais pardon pour mes péchés,
J'ai vraiment senti une présence d'amour dans ma voiture. C'est dramatique. Vient par aussi arabe, c'est qui pour du bus, c'est un instant maximum. Cette présence, elle m'a jamais quitté. Carte par aussi à côté de mes capteurs. Ce qui fait que je ressens la présence de Dieu même maintenant en lui parlant. Et j'aime bien connaître la foi des gens, mais aussi les encourager. La Bible, des expériences vraiment personnelles avec Dieu. Parce que Jésus a dit que ses paroles étaient esprit et vie. Et je pense que c'est la volonté de Dieu d'être très proche de nous. Il a dit qu'il serait tous les jours avec nous. L'expérience personnelle pour lui, ce n'est pas le critère de la foi. L'expérience n'est pas avant la foi, mais ça suit la foi. Δηλαδή, αν κάποιος δεν έχει εμπειρία, δεν πρέπει να πιστεύει. Non, donc, il me pose la question, si quelqu'un n'a pas d'expérience, alors il ne pourra pas croire. Si, il ne peut pas. La foi vient avant. Μπορεί, όχι, πιστεύει. Είναι πιο ταπεινό να πιστεύουμε στις εμπειρίες των άλλων. De croire plutôt aux expériences des autres. Παραδείγματος χάρη, στην Αγία Γραφή γράφονται οι εμπειρίες των Αποστόλων. Par exemple, on a vu qu'il y a une expérience. Εμείς διαβάζουμε την Αγία Γραφή και πιστεύουμε στην εμπειρία των Αποστόλων. Αλλά θεωρούμε τον εαυτό μας ανάξιο για τέτοια εμπειρία. Αν ο Θεός δώσει, αυτό είναι άλλο πράγμα. Αλλά εμείς δεν αναζητούμε την εμπειρία. Γιατί εμπειρία ισχυρίζονται ότι έχουν πολλοί. Parce que beaucoup disent qu'ils ont des expériences. Mais ils sont tellement Ils sont tellement différents. Moi, Jésus a dit, moi je suis le chemin. Et Iodos, il y a une Iodos du Stavro et du Stapino. Son chemin, c'est le chemin de l'humilité et de la croix, et pas de l'expérience. C'est pour ça qu'on lui disait, descends de la croix et alors on croira en toi. Il n'est pas descendu. Quand je parle d'expérience, je parle en fait d'une expérience de communion avec Jésus. Pas forcément du miracle. Je pense que tous les hommes ont une communion personnelle avec Dieu, mais ce sont des images à eux. Αλλά επίσης έχουν και κοινωνία με άλλα πνεύματα. Α, οι χριστιανοί. Ναι, για την κοινωνία και όσοι για την κοινωνία, αλλά όσοι για τούτε πνεύματα. Γι' αυτό το λόγο θα χρειάζεται η ιερά παράδοση και η Εκκλησία να ερμηνεύσει τις εμπειρίες. Είναι για αυτή τη raison que on a absolument besoin que la religion puisse interpréter ces expériences. Parce que parole d'expérience, il y a des expériences.
Είναι πιθανότερο να έχουμε εμπειρίες άλλων πνευμάτων παρά το ίδιο ποσοστό. Είναι très possible qu'on ait des expériences avec d'autres esprits et pas avec Γι' αυτό η εμπειρία η προσωπική πρέπει να βαπτίζεται μέσα στην εμπειρία της Εκκλησίας. C'est pour ça que l'expérience personnelle, elle doit s'identifier et être identifiée à l'expérience de l'Église. Αλλά και αν ακόμη η εμπειρία μας είναι όμως το ίδιο. Et si par exemple notre expérience était vraiment divine, et αν δεν έχουμε την παράδοση της Εκκλησίας μας, si on n'a pas la tradition de notre Église, δεν θα ξέρουμε πώς να διατηρήσουμε την εμπειρία. On ne connaîtra pas comment garder cette expérience. Si l'Église se trompe, comment ça se passe? Και αν η Εκκλησία κάνει λάθος, τι συμβαίνει? Parce que Jésus a dit que c'était le Saint-Esprit qui nous dirait si nous sommes dans la vérité, et pas l'Église. Γιατί είχε πει ο Ιησούς Χριστός ότι το Άγιο Πνεύμα θα μας αποκαλύψει αν είμαστε στην αλήθεια και όχι η Εκκλησία. Όχι. Ο Απόστολος Παύλος είπε σε Εφεσίους Αποστολή. Εφεσιά, επίτρε Εφεσιά, l'apôtre Paul. Λέει ότι αποκαλύφθηκε ακόμη και στους Αγγέλους δια της Εκκλησίας η πολιτική μας σοφία του Θεού. Via l'Église, η σοφία του Θεού. Η πολυπίκυλο σοφία του Θεού. La sagesse de Dieu. A été révélée aux anges par. Από. Και στην επιστολή του προς τον Τιμόθεο. Et vers Timothée. Λέει ότι η Εκκλησία είναι ο στήλος και το εδραίωμα της Αγίας. Η Εκκλησία είναι ο στήλος και το εδραίωμα της Αγίας. La base, comment je veux dire, de la vérité, c'est l'Église. Donc en fait, c'est l'Église qui est au-dessus du Saint-Esprit. On peut dire que le Dieu a dit l'Église de la ville qui n'est pas dans le royaume de l'Église. Ok. Non. L'Église est le χώρο παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. C'est le lieu de la présence du Saint-Esprit. Διότι. L'Église. Το Άγιο Πνεύμα αποκαλύπτει την αλήθεια στην σχέση και στην κοινωνία και όχι στη μονάδα. Dans la communion, dans les relations, mais pas dans l'unité. Donc on ne peut pas révéler la vérité à une personne toute seule. Οπότε πιστεύετε ότι δεν μπορεί να αποκαλύψει την αλήθεια σε ένα άτομο μόνο. Comme à l'apôtre Jean qui était tout seul sur l'île Patmos, par exemple. Στον μαθητή του Άγιου Ιωάννη. Ο Άγιος Ιωάννης έφυγε την αποκάλυψη. Lui a reçu la vérité pour qu'il la dise à l'Église. Και η αποκάλυψη στον Άγιο Ιωάννη ήταν αποκάλυψη για την Εκκλησία, όχι τον Άγιο Ιωάννη. Et la révélation qu'il a eue, c'était pour l'Église, pas pour lui-même. Ο Θεός είναι Αγία Τριάδα. Dieu est la Trinité. Οπότε, εμείς οι εικόνες του Θεού είμαστε, βρίσκουμε το Θεό στην τριαδικότητα, στην σχέση, όχι μόνο. Nous on trouve Dieu dans notre relation, dans la Trinité, mais pas tout seul. Δεν λέει εγώ γνωρίζω. Ah, et pas moi je connais, mais nous connaissons. Et pour terminer, c'est intéressant. Il est Pauline de faire. Est-ce qu'il sait s'il meurt aujourd'hui où il va? Αλλά ακόμη και αυτήν την πόλη σου δεν είναι τόσο καλό. Η μάμη de l'enfer, si j'étais en enfer, moi c'est Jésus que j'aime. Δεν αγαπάω τον Θεό για να μου δώσει κάτι. Je n'aime pas Jésus, je n'aime pas pour ce qu'il donne, le paradis par exemple. Ο Χριστός δεν αγαπάω. Je l'aime. Δεν μπορώ να κάνω άλλο. Parce que je peux pas faire autrement. Il croit quand même que Jésus lui a préparé une place. Πιστεύεις όμως ότι πιστεύεις ότι ο Ιησούς σου έχει ετοιμάσει μια θέση? Η κόλαση από το παράδεισο. L'enfer, le paradis. Είναι προβλήματα των ανθρώπων. Ça, ce sont des problèmes, des problèmes des hommes. Δεν είναι από ό,τι θα δίνει. C'est pas que Dieu les donne. Οι άνθρωποι. C'est les gens qui doivent décider comment ils vont être en face Jésus. Et Anne,
τον αγαπάω, si je l'aime, αν δεν τον αγαπάω, si je l'aime pas, αλλά, αυτός, αλλά δεν θα μου αρέσει εμένα. Et si je ne l'aime pas, lui quand même, il me gardera près de lui, même si moi je ne l'aime pas. Par exemple. Ας υποθέσουμε ότι ο πατέρας μου δεν θέλει να με βλέπει στα μάτια. Να θεσάς. Ναι, δεν με χωρεύει καθόλου. Par exemple d'une personne qui ne me supporte pas, qui ne m'aime pas du tout. Εγώ όμως κάθε φορά που το βλέπω, mais moi, του κάνω δώρο, à chaque fois que je le vois, je lui donne des cadeaux, je l'aime. Αυτό για εκείνον είναι κόλαση. Ça, ce que je fais pour lui, c'est l'enfer. Il interprète ça comme l'enfer. Έτσι, ο άνθρωπος που θα πάει στην κόλαση θα βλέπει την αγάπη του Θεού και θα νιώθει τύψη. Δεν του φέρθηκε με την αντίστοιχη αγάπη. Donc celui qui sera en enfer, il verra l'amour de Dieu, mais il aura des regrets parce qu'il n'a pas agi correctement envers lui. Si quelqu'un ne veut pas aller en enfer, comment il fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il doit faire? Ακολουθεί το δρόμο του Ιησού. Που είναι η κοινωνία της αγάπης. Και η κοινωνία της αγάπης. Μέσα από το σταυρό και τη θυσία. Via le travers du sacrifice et de la croix. Julie, merci beaucoup, c'était un plaisir pour moi de parler avec vous. Mais ça reste quand même mon désir que tu puisses vivre des expériences avec le Dieu qu'il aime. J'ai beaucoup d'expériences, mais ce n'est pas notre priorité. C'est Jésus. Et nous, Jésus. C'est Jésus. Dieu nous donne ένα σοκολατάκι εδώ στην Αγία. Un petit chocolat ici sur la table. Για να μας δώσει να καταλάβουμε qui nous fasse comprendre ότι πάνω μας περιμένει ζαχαροπλαστείο. Και toute la rue, il y a une pâtisserie. Un magasin pâtisserie. Εμείς έχουμε εμπειρίες. Nous avons des expériences. Αλλά οι εμπειρίες χρησιμοποιούνται για να μας οδηγήσουν σε ενότητα. Pour nous conduire en communion. Όχι για να μας κάνουν ξεχωριστούς από εσάς. Pas pour nous différencier de vous. C'est une dernière question. Ίσως μια τελευταία ερώτηση. Quel est le livre qui me dit le plus dans la Bible? Ποιο βιβλίο μέσα στη Bible? Même si je sais qu'il me dit du tout. Που πιστεύω ότι θα διαβάζετε όλα. Ποιο είναι που με λετάζει περισσότερο? Ποιο είναι le livre qu'il aime particulièrement. Που αγαπάτε ίσως πιο πολύ. Το κατά Ιωάννη με βιβλίο. Selon Saint Jean. Évangile selon Saint Jean. C'est des membres de sa famille? Eh bien, Mélie, c'est une communion à sa D'accord, ok. Elle aussi est dans une communion un peu avec Dieu? Oui, c'est une communion avec Dieu. Ils sont en train d'avancer? Et qu'ils proposent de cette communion? On essaie. Super, super. Donc ici, c'est un lieu pour les orthodoxes? C'est un endroit pour les orthodoxes? C'est un monastère. Ah, c'est un monastère. Ça peut faire une minute, c'est possible? Super. Είναι από τον Καναδά και κάνουν κάποιο ρεπορτάζ στην Εκκλησία. Θέλουν να δουν κάποιες ώρες. Επιτίσει τον ανθρώπο. Πολλά φορά μπορούμε να δούμε έτσι. Στους πατέρες μας. Κονάει χιλί υπέρ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα demander là. Là, c'est un monastère. J'aimerais bien voulu que quelqu'un de d'ici nous fasse visiter. On va demander alors ici. C'est où? Après c'est l'église, je ne sais pas trop en fait. Monsieur le Président.
J'aimerais savoir un peu pour lui qu'est-ce que ça représente ce lieu. Que θέλω να σα ρωτήσω για εσά τι συμβολίζει αυτό ο χώρο, τι είναι αυτό ο χώρο για εσά. Ναι. Εδώ είναι ένα μοναστήρι. Εσεί είστε μοναστήρι. Με την ιερά μονή τη Αγία Θεοδόρα. Με σαν τη Θεοδόρα. Η οποία και εδώ η Θεοδόρα ζει από το 870. Και ισχύθηκε στην Αίγινα και μετά ήρθε εδώ και το μοναστήρι. Το πρώτο μοναστήρι γυναικείο. Μετά όμως από τις διάφορες εισβολές των Πετερσβουργών, των Βουλγάρων, το μοναστήρι έγινε αντρικό μετά από χρόνια. Και έτσι σήμερα εδώ το μοναστήρι αυτό είναι αντρικό. Και παραμένουν γύρω στους 35 πατέρες. Dans le sous-sol, il y a deux tombeaux qui ont été découverts du premier monastère. Και εδώ στη Μονή φυλάσσονται τα ιερά λείψανα της Αγίας Θεοδόρας που είναι έξω δεξιά και του Οσίου Δαβίδ που γιορτάζει αύριο η εκκλησία μας εδώ, η τοπική εκκλησία, και γι' αυτό απόψε και αύριο γιορτάζουν τον Όσο Δαβίδ. Et alors, c'est pour ça qu'il y a la fête. D'accord. Qu'est-ce que représentent les icônes? Mais que τι symbolisent οι εικόνες αυτές εδώ γύρω? Εδώ είναι το τέμπλο, λέγεται τέμπλο. Δηλαδή η εικονοστάση ουσιαστικά. Με πάνω συμβολίζει τα πρώτα πρόσωπα που έχουν να κάνουν με τον Θεό. Το Αγιό Χριστό, τη Μητέρα του, την Παναγία, Τίμιο Πρόδρομο, που ήταν ο προφήτης, ο Μάγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Τον Βαπτιστή. Ναι, ναι, που προφήτευσε το Χριστό. Ναι, Ζαν Μπατίστα. Και εδώ είναι η Αγία Θεοδόρα. Δηλαδή, πάντα μπαίνει εικόνα που τιμά τον ναό. Είναι toujours une εικόνα qui, en fait, que le monastère ou le grand. Αυτό εδώ διαχωρίζει το ιερό με το κυρίω ναό. Là, c'est le sacré. Et là, c'est. Το τόπο δηλαδή τη θυσία και λατρεία, ουσιαστικά. Sacrifice. Προσφορά και το κυρίω ναό των πιστών. Ici, j'ai vu une femme qui embrassait une icône en entrant. Pourquoi elle fait ça? Ναι, είδε μία κυρία που φιλούσε μία εικόνα και ρωτάει γιατί το κάνει αυτό. Διότι εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Nous, les Orthodoxes Chrétiens. Μετά από την εικονομαχία που έγινε, δηλαδή έγινε μία μάχη για τις εικόνες. Il y a eu un combat pour les icônes. Alors, l'an 300. Περίπου. D'accord. Και αυτό το μεγάλο γεγονός έδωσε. Cela. Σε εμάς την ευκαιρία να τιμούμε τον Άγιο, το πρόσωπο του εικονιζόμενου L'occasion. Τη ζωγραφική, ας το πούμε αυτής, αλλά να τιμούμε honorer, en fait. Αλλά να τιμούμε το πρόσωπο, όχι το υλικό. En fait, nous honorons, en fait, la personne, ce que ça représente, mais pas la matière, pas le bois, pas le verre. Το ξύλο και το σήμα να τιμούμε τον Άγιο που ασκήθηκε. Le saint qui était un martyr en fait. Et pour que nous nous inspirions pour notre vie. Et est-ce qu'ils ont une communion avec eux? Une relation avec Jean-Baptiste? On essaie via la prière. Κάθε ένας έχει το δικό του βίωμα. Chacun a sa propre manière de vivre. Donc on peut, C'est relatif. Αλλά δεν πρέπει να είμαστε άνθρωποι όμως και να μην έχουμε δυναμικό. N'oublions pas que nous sommes humains et nous avons des faiblesses. Et donc on peut avoir des relations comme ça avec les morts. Οπότε μπορούμε να έχουμε δηλαδή κοινωνία με ανθρώπους που έχουν πεθάνει και είναι άγιοι. Ναι, υπό την έννοια της, της μιμήσεως, μιμούμαστε τη ζωή τους. En fait, on mime leur vie. C'est cette relation qu'on a avec eux. Οι άγιοι δεν είναι φαντάσματα. Les saints ne sont pas des fantômes. Άρα τους κατοπερδίλει, hein. Eux, est-ce qu'ils leur parlent? Εσείς τους μιλάτε? Τους επικαλούμε,
ce crucifix. Oui, il les invoque dans la prière. D'accord. Et pour entrer dans ce lieu, il y en a bien. J'ai entendu qu'il faut être croyant. Il y en a beaucoup, mais ça faut toujours le même sépisté. Les hommes qui croient, comment on peut les entrer? Comment on peut savoir qu'ils peuvent entrer? Οι άντρες που πιστεύουν, πώς μπορούμε να ξέρουμε ότι πιστεύουν και μπορούν να μπουν? Πώς θα το καταλάβουν αυτό? Εντάξει, κοιτάξτε, αυτό τώρα, αυτό το διακρίνει πολλές φορές πρώτα και από την, πώς θα το πούμε, όταν ο ιερέας θα διακρίνει τον άνθρωπο στο δίπλα στάτου, δηλαδή και από το εξωτερικό, αλλά και σιγά σιγά, σιγά σιγά θα βλέπει και τον χαρακτήρα του. Και εμείς λέμε φωτίζει και ο Θεός. Αν κάποιος τώρα, κάποιον σαν εμένα, qui croit en Dieu, pour pistaire, Théo, si par exemple je voulais entrer, comment ça se passerait? Mais si toi personnellement tu le veux, c'est bon, tu peux y aller. Et puis, εφόσον είμαι εγώ εδώ και βλέπω ότι είναι καλό παιδί. Mais c'est parce que il voit que tu as l'air bien bon. Πιστεύει, δεν πιστεύει. Que tu crois, tu crois pas. Lui, il voit que tu es bon. Tu peux m'ouvrir? Comment tu t'appelles? Jérémy. 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 Je peux pas rentrer. Non, ouais, tiens. Romain, peut-être, je ne sais pas. Jérémy. Il ne faut pas qu'il entre de tout seul. Quand même. Tant que nous vivons sur la terre, c'est nous qui pouvons voir ça. Parce que Dieu est simple. Και μόνο να αγάπη έδωσε. Απλά εμείς, σαν άνθρωποι, δείξαμε έναν άλλον Θεό, πιο κακό. Γι' αυτό με ευθύνη, γι' αυτό δείχνει η ευθύνη. Αλλά ο Θεός είναι απλός. Du coup, lui, il sait si il est entre nous. Accepté par Dieu. Je ne sais pas et je ne crois pas. Parce que moi, en tant que prêtre, j'essaie d'aider les gens spirituellement. Να πάνε στο Θεό, στο Παράδεισο. Pour qu'ils puissent, par les confessions et tout ça des gens, je les aide pour qu'ils puissent aller au Paradis. Και παίρνω όλη αυτή την ευθύνη πάνω. Et moi, je prends toute la responsabilité sur moi, οπότε, en faisant ces confessions.
profession. Δεν περιμένω να σωθούν οι άνθρωποι. Donc je ne m'attends pas à ce que moi je sois sauvé, mais que les autres gens soient sauvés. Mais parce que Dieu, il a de l'amour. Νομίζω, μέσα στο πίσω μέρος του μυαλού μας, μπορεί να μας δεχτεί. Dans mon cerveau, qui pourrait nous accueillir. Αλλά δεν περιμένω ότι je ne m'attends pas à ça, personnellement. D'accord. Ça, c'est prêt. Καλώς ήρθατε πάλι. Bienvenue, nous allez. Rejoignez l'armée des évangélistes en vous inscrivant sur le site evangeliste.com.